Salut! Yo! Donc aujourd'hui, on va vous parler de... Acheter un véhicule à Québec. Au Québec. Bonjour et bienvenue sur French Canadian Travel. Nous avons décidé de réaliser un grand rêve, découvrir l'Amérique en van. Nous partirons de Québec le 1er mai 2020. En attendant, nous vous partagerons en vidéo les différentes étapes des préparatifs du grand voyage. Donc, pour acheter un véhicule au Québec, donc une voiture ou un van, nous on a acheté les deux, donc on peut répondre à vos questions pour les deux. Quels conseils on peut vous donner? Ayez de l'argent. Ouais, déjà. Donc, pour la voiture... Si possible, déjà une voiture qui a la possibilité d'avoir les quatre roues motrices. Ouais. Surtout que nous, en tant que bons Français, on n'est pas habitués à l'hiver. C'est ça. Et ici, l'hiver est long. L'hiver est long, ça comme peut être dangereux, surtout qu'on n'a pas l'habitude de conduire sur la neige. Donc, bon, peut-être les Alsaciens, eux, ils ont l'habitude. C'est vrai. Mais oui, avoir quatre roues motrices, moi, c'est ce que j'ai pris quand je suis arrivée. Puis je peux vous dire que j'étais bien contente, parce que quand tu vois qu'on est en montée, derrière une voiture qui a deux roues motrices et qui patine devant toi à cause de la glace, et que toi, hop, tu la doubles, tu passes devant en lui faisant coucou, moi j'ai pas de problème, t'es bien content. Ouais. D'abord, la première chose à savoir lorsque tu achètes un véhicule, c'est que au Québec, le contrôle technique n'existe pas. Zéro. Zéro contrôle technique. Donc il n'y a aucune vérification, il n'y a pas un contrôle technique obligatoire à passer tous les deux ans. Donc la voiture que tu achètes, tu sais pas si elle est bien ou non en fait. Tu sais pas si dans 10 jours, dans 2 mois, dans 3 mois, elle va juste te crever dans tes mains. Ou... Voilà, c'est la chose à savoir. Bonne chance. Oui. Puis, faites pas la même erreur que moi. Moi, quand j'ai acheté ma voiture, j'ai voulu bon, l'acheter d'occasion, bien sûr, à un garage, en me disant, Cécilia, t'achètes ta voiture dans un garage, t'es sûr qu'il va y avoir aucun problème, tu te feras pas arnaquer comme si t'achetais la voiture peut-être à un particulier. Sauf que les clichés des Québécois gentils, ils s'en foutent. Surtout quand il s'agit de money. Ouais, donc faut savoir que moi j'avais acheté ma voiture dans un garage, je l'avais acheté 4 000 $, donc tu me dis déjà c'est un bon budget 4 000 $. Quand on voit que les voitures de particulier à particulier, on trouve facile entre 2 000 et 3 000 $, moi je m'étais dit j'ai quand même mis 4 000 $ dans une voiture, une 4 roues motrices, directement dans un garage, normalement je vais être tranquille. 3 mois après, j'ai changé frein et disque avant-arrière, ce qui m'a coûté 1 200 $. J'ai dû refaire aussi le muffler, c'est le silencieux. J'ai dû refaire mes bearings avant, donc c'est les roulements avant. Bref, j'ai ma voiture est nickel maintenant, il n'y a pas de problème. Hein. Mais elle m'a coûté un bon 6 000 $ au lieu de 4 000. Il n'y a plus aucune pièce d'origine, je suis sûr. Ouais, non, c'est ça. Puis... chose importante aussi, quand on achète son véhicule au Québec, il faut penser que à partir du 1er décembre, les pneus d'hiver sont obligatoires. Donc, quand vous l'achetez, les pneus sont pas forcément ceux d'hiver et ça coûte une petite somme, environ 600 $. Donc pensez à ça, pensez que vous y aurez potentiellement des achats à faire en plus pour l'hiver. Pensez à rajouter ça dans votre budget. C'est ça. C'est pas négligeable. Ouais, parce que 600 $, c'est pas rien. Ouais. Surtout quand on arrive avec un budget un peu restreint, qu'on n'a pas un travail de suite, ça peut quand même changer la donne, suivant à quelle période on arrive. C'est ça. Après, si vous trouvez à acheter une voiture où il y a déjà les pneus d'hiver qui sont compris, moi par exemple, quand je vais vendre la mienne, elle sera sur pneus d'été, mais vous aurez les pneus d'hiver dans le coffre. D'ailleurs, si quelqu'un est intéressé pour reprendre ma voiture... Subaru Outbreak. Entre le 24 avril et le 1er mai 2020, dites-le moi en commentaire. Subaru Outbreak beige. Petite pub. Ensuite. La rouille, très important. Oui, quand vous voulez acheter votre véhicule, que vous faites la première visite, checkez la rouille. La rouille dessous le véhicule, donc sur le châssis, puis la rouille dans la carrosserie. Parce que l'hiver, avec tout le sel qu'il y a sur les routes et l'humidité, ça attaque vraiment beaucoup le châssis. Ouais. Si jamais la carrosserie est un peu rouillée,
que c'est pas des trous profonds, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Vous pouvez gratter, ce genre de choses. Ouais. Mais le châssis, s'il est vraiment touché par la rouille, là, on oublie. Est-ce que vaut mieux mettre un bon budget à avoir un bon véhicule que plutôt acheter un mauvais véhicule peu cher pour ensuite dépenser beaucoup d'argent à le réparer? C'est mieux de mettre plus d'argent au début, en fait. C'est ça. Bon, on dit ça, mais il faut avoir aussi de l'argent au début. C'est ça. Si vous achetez un véhicule à un propriétaire, par exemple, Bah, que ce soit un propriétaire, de toute façon, ou au garage. Donc, une fois que vous achetez votre véhicule, vous devez remplir un papier. Puis, avec ce papier, vous allez aller à la SAAQ, ensemble ou seul, mais c'est important de remplir correctement ce papier. Zéro rature, zéro. Ouais, vraiment. Un petit trait un peu trop épais, ils annulent. Tu te souviens? Ah, j'avais pété un câble. Il y avait peut-être un A qui était un peu trop épais par rapport aux autres lettres, ils ont dit non, on n'accepte pas. Quand on a acheté le van, on est allé donc à 2h30 de Québec pour le chercher. Et donc, on s'était pas rendu avec les anciens propriétaires du van ensemble à la SAAQ, vu que eux habitaient à Magog et nous à Québec. Donc, ils avaient seulement rempli leur part du papier et moi, j'avais complété la mienne. Puis, j'étais allée avec ce papier pour faire mon immatriculation. Mais ils m'ont dit non, ce papier n'est pas valable, il n'a pas été rempli correctement, il manque des cases et il manque des signatures. J'étais un peu énervée, mais je fais ok, c'est notre faute, on aurait dû tout relire, tout compléter. Donc j'ai envoyé un message au propriétaire qui m'a renvoyé par courrier recommandé, parce que c'est impossible si c'est photocopié, ça ne passe pas, si c'est imprimé, ça ne passe pas, il faut vraiment le vrai papier où on a signé. Donc il m'a renvoyé ce papier et il y a une rature, mais une toute petite rature. J'avais vu, mais je me dis bon, ça va passer. Je retourne 2 jours après avec ce papier. Nada, négatif, on refuse. Elle a pris le papier, elle a vu la rature, elle m'a dit ah non désolé, on peut pas le prendre. J'étais chez quoi? Pardon. Donc voilà, pour éviter les désagréments, faites vraiment attention, recommencez 2, 3 fois, 4 fois le papier s'il le faut, mais vraiment il faut que ça soit nickel. Ah oui, à savoir que donc une fois que vous avez le papier complété, vous allez devoir payer votre immatriculation. Mais il y a des petites techniques pour ça. Ouais, mais d'abord on va vous expliquer normalement qu'est-ce que c'est. Donc quand vous payez votre immatriculation, ça coûte entre, suivant le véhicule, on va dire large, entre 250 et 500 dollars suivant le moteur, l'ancienneté du véhicule, c'est une voiture, un van, tout ça, tout ça, tout ça. Et vous allez payer aussi 10% de taxes sur le montant dont vous avez acheté votre véhicule. Donc le montant qui est déclaré sur le papier que vous avez complété avec le propriétaire. Le montant déclaré, on précise bien. Voilà, le montant déclaré. Sur le papier. Il faut savoir que si votre véhicule a plus de 10 ans, vous n'êtes pas obligé de mettre la valeur réelle que vous achetez. Il y a beaucoup de petits trafics qui se font comme ça. Parce que par exemple, si le van, on l'avait acheté 7000, si on le déclare 7000, on paye 700. On paye 700$ de taxes. Ça aussi, ça prend en compte les 10%. Voilà, vous pouvez vous arranger avec l'ancien propriétaire ce qu'il veut déclarer ou non. Ça dépend de la date de véhicule, ça dépend aussi s'il va devoir passer un contrôle, s'il est vraiment trop vieux. Voilà, ça dépend de plein de petites choses, mais vous pouvez faire quelques économies sur ça. C'est important d'assurer votre véhicule. Vous pouvez l'assurer même avant l'achat. Vous dites, je vais acheter tel véhicule à telle date. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes assuré pour votre chemin retour et que vous n'allez pas avoir de problème par la suite. Et il faut éviter d'attendre plus de 10 jours après l'immatriculation du véhicule pour assurer votre véhicule, sinon l'assurance risque de refuser de vous assurer. Nous, on avait attendu 7 jours pour le van et c'est ce que l'assureur nous a dit. Il nous a dit, c'est limite, si vous aviez attendu 3 jours en plus, on n'aurait pas pu vous assurer. Donc pour les assurances, il y en a plein, il y a CAA, il y a Desjardins, enfin votre banque. Puis nous, pour l'instant, on est chez Desjardins. Ça veut dire que c'est aussi possible à la banque de Montréal ou je sais pas quoi? Oui, toutes les banques assurent. Bah, après, vous pouvez comparer les prix. Vous pouvez aussi vous assurer chez une banque qui n'est pas la vôtre. J'ai entendu dire ça. Donc okay. C'est à vérifier. Alors, et ce qui est important aussi, bien sûr, c'est de tester votre véhicule,
de dire au propriétaire, même s'il monte à côté de vous, c'est je veux rouler avec. Ça, n'achetez jamais sans avoir testé, mais bon, ça c'est normal, hein, c'est logique. Puis quand vous testez, appuyez sur le frein violemment, voyez comment le véhicule réagit, si ça bouge, si ça couine, si un petit grincement qu'on vous freine, ça veut dire que vous allez sûrement dépenser de l'argent dans les plaquettes ou dans ce genre de choses. Vraiment, n'hésitez pas à tester. Ouvrez le capot, regardez l'état du moteur, des fils, s'il y a de la rouille encore. Ou s'il est propre. Nous, si le van était vraiment nickel. Ouais. Par contre, la voiture... En bref, le plus important, c'est tableau de bord, capot, châssis. Et après, si vous pouvez rouler avec, c'est tout bénef. Même, demandez à rouler avec. Ouais. Puis, quand vous choisissez votre véhicule, choisissez quand même un kilométrage raisonnable. Après, à Québec, tout est grand, donc tu fais plus de distance. Mais raisonnable quand même. Moi, j'irais un kilométrage raisonnable, c'est... J'irais, si vous trouvez entre 150 000 et 230 000 km au compteur, c'est quand même raisonnable. Ouais. Après, si ça monte plus, ça dépend si vous voulez faire juste de la ville avec ou voyager aussi avec. C'est pas comme en France, quand la voiture tape dans les 110 000 km qu'il faut la jeter. Ici, ça va beaucoup plus haut. Ouais. Bah, disons que la ville, les grandes villes les plus proches, elles sont genre 3 heures de route. Donc... Ouais. Forcément, il y a beaucoup de kilomètres en fait. C'est ça. Après, pour les marques des véhicules, moi j'irais pour le van, ce qu'on conseille, GMC. C'est Ford et GMC. Les pièces sont faciles à trouver, peu chères. Non. Puis... En fait, on peut comparer ça, par exemple, en Europe, en France, par exemple, on va plus se diriger vers des Renault, des Peugeot ou des Citroën parce que c'est des véhicules européens qui sont sur place, alors que ici, ça va être tout ce qui est Ford. Ça, c'est des véhicules américains. C'est ça, donc Ford, GMC. Bah surtout Ford GMC pour les vans. Après, pour les voitures... Les voitures, on voit aussi pas mal de Honda. Ouais, de Honda, les voitures de Hyundai, japonaises, en fait. Les voitures japonaises, Toyota. Comme Toyota, puis Honda. Puis moi, j'ai une Subaru, puis ça va aussi très bien. Et beaucoup, par contre, beaucoup d'automatiques. Ah oui, par contre, si vous cherchez une manuelle, laissez tomber. Et honnêtement, c'est plus simple les automatiques. Ouais, moi, je voulais vraiment conduire une manuelle quand je suis arrivée, c'est presque plus cher d'acheter une manuelle qu'une automatique. Puis, même si vous n'avez jamais roulé en automatique, vous allez voir que c'est super facile. Deux pédales, mode avancer, drive, frein. Mode parking, mode recul et aller en roule. C'est ça. Ouais, voilà, pas plus simple. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire. S'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres questions, on fera peut-être une partie 2. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, un petit pouce bleu. Puis si jamais vous voulez qu'on parle d'un sujet précis, dites-le nous aussi en commentaire. Et on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Bye bye.